Hello. Alors, je parle pas très fort parce que Kim dort encore dans la chambre d'à côté. Mais aujourd'hui, si je fais une vidéo, donc c'est pour vous montrer un peu ma vie dans une journée d'étudiante en Corée. Là, je filme le mercredi parce que du coup, le mercredi, j'ai cours directement sur place. Les autres jours, j'ai cours en ligne. Je vous montrerai aussi cette partie. Mais pour aujourd'hui, ce sera les cours sur place. Donc, je vais aller à Pukyongdakyo directement. Et l'après-midi, on va partir réviser dans un café, très certainement. Normalement, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je voulais vous filmer le matin ma partie étudiante et l'après-midi ma partie où je travaille. Sauf que le mercredi, en général, je ne travaille pas. Parce que comme je vais directement sur place, après, quand je reviens, en général, il est trop tard pour travailler. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Pas joli les prises derrière. Et du coup, là je vais aller en cours en marchant, donc de chez moi jusqu'à l'université. J'ai ma pote qui vient vers 8h05, je sais pas quelle heure il est là. On va pas passer par les quais cette fois-ci, c'est plus court de passer sur l'avenue principale. Du coup, ça fera notre petit exercice du matin. Et voilà. En attendant de partir, je prends le temps de manger un petit déjeuner. Et c'est parti pour 35 minutes de marche en direction de l'école. Ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. Il faisait beau et c'était le jour où les arbres étaient le plus fleuris. En arrivant à l'école, prise de température obligatoire. Puisque nous sommes en période de Covid, les élèves doivent s'asseoir seuls derrière des protections en plastique. Les cours sont donnés par deux professeurs. La grammaire et le vocabulaire de 9h à 11h par Kim Anna et les exercices d'application de 11h à 13h par Shin Mijin. En Corée, les cerisiers en fleurs ne restent que 2 semaines environ. À la fin des cours, on a donc décidé de prendre des photos tous ensemble. Ça fait du bien de voir un campus vivant, n'est-ce pas? Yes. La petite essaye d'attraper les pétales au vol.
Il y en a d'autres. Non, je ne le referai pas, c'était tellement humiliant. Pour la bonne chance de toute l'année. Après avoir mangé dans le quartier, nous sommes allés étudier dans un café à côté du campus. Ouais, bah voilà, vidéoception. C'est reparti. Non, je veux pas que tu me... Ton petit cochon. Oh, Gemina, je t'ai en plein dans la vidéo. Fais attention à nous faire un procès pour abus de droit d'image. T'as signé ta... Vas-y. T'as été bourré, tu te souviens pas vendredi. Je te fais signer un papier. La perfectitude de son minot, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bye, tchuss. Je crois que j'ai pas filmé le premier. Bon, on a fini cette journée et on se rentre tranquillement à la maison. On se rentre tranquillement à la maison. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu filmer ce jour-là, car un jour plus tard, on nous annonçait que Busan passait en alerte Covid-2 et que les cours sur place étaient suspendus.